Yannick Noah n'arrive pas à s'en sortir. Le chanteur et ancien tennisman semble souffrir à nouveau du paludisme, maladie qui l'avait conduit au repos forcé et à une hospitalisation en urgence en mars dernier. Alors qu'il était en pleine préparation de sa prochaine tournée, Yannick Noah avait annoncé avoir contracté le virus lors d'un voyage à Tahiti. Ce vendredi 12 mai 2023, il semble avoir récidivé. Dans sa story Instagram, Yannick Noah a mis en ligne une photo de lui, allongé dans un lit, avec la légende paludisme. Une nouvelle crise qui met fin à la convalescence du chanteur. Le 22 mars dernier, il informait ses abonnés qu'il allait beaucoup mieux. Cette rechute n'a pas conduit Yannick Noah à l'hôpital, mais celui-ci grimace dans son lit. Les symptômes de cette maladie potentiellement mortelle consistent en une forte fièvre, ainsi que des frissons et douleurs musculaires. Yannick Noah, voici les femmes qui ont marqué sa vie. Yannick Noah, cette crainte tant redoutée si Yannick Noah vient tout juste de se faire à nouveau infecter par le paludisme, ce n'est cependant pas la première fois qu'il contracte cette maladie. En effet, en juin 2022, le chanteur avait déjà confié avoir contracté le paludisme. Ça va mieux. Merci, docteur Bernard M. Backwork, avait-il d'abord indiqué en légende d'un selfie. Avant de préciser, timidement, j'espère qu'il n'y aura pas de rechute. Le palu. Une crainte qui, compte tenu de sa récente infection, s'est malheureusement concrétisée quelques mois plus tard. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.